La chasse sous-marine, pour nous tous, je pense, c'est plus qu'une passion, c'est ça s'inscrit dans un style de vie, quoi, dans une façon de vivre. C'est une relation avec la mer, c'est intense, les relations avec la mer. On a un peu l'impression de tutoyer la nature. Vraiment, on rentre vraiment en symbiose avec la nature, on s'aperçoit, on est vraiment les spectateurs privilégiés de ce qui se passe dans l'eau. On est une banque de données qui est inexploitée, quoi, parce qu'on passe des heures dans l'eau, on connaît des choses sur les poissons. Qu'un scientifique, parce qu'il doit passer du temps dans un laboratoire, il doit écrire des thèses, ne peut matériellement pas passer, et d'autant plus en apnée. Donc on est encore un peu plus discret qu'un plongeur en bouteille. On est vraiment les hôtes privilégiés, les spectateurs privilégiés de tout ce qui peut se passer dans l'eau. Il y a la pêche à l'indienne au bord qui est très intéressante. Il y a la pêche dans la houle qui est aussi très intéressante. Il y a la pêche dans peu d'eau où le fait de débusquer des poissons méfiants, c'est très intéressant. Il y a la pêche à l'agachon un peu plus profond qui est très intéressante. Et il y a la dimension de la pêche profonde où la dimension physique s'exprime pleinement et où on va à la rencontre de poissons qui sont, j'allais dire, plus faciles, entre guillemets, en tout cas qui ont vu moins de monde et de grosses prises. Voilà, c'est l'intérêt de la pêche profonde. Alors ici, la saison de chasse, elle débute à partir du mois de mars. Donc du mois de mars au mois de décembre, hein, généralement. Donc en début de saison, le bar va venir au beurre encore pour la reproduction. Hein. On arrive à en trouver un trou, mais c'est assez... ils sont pas trop regroupés, hein, ils sont assez solitaires. L'agachon va commencer à partir de juin-juillet. Juillet-août, c'est des périodes assez creuses, sûrement dues à une surpopulation de plaisanciers sur la côte. Et on va dire que la bonne saison débute à partir de septembre jusqu'à décembre. Généralement, le bar descend d'une heure en suivant les bancs de harengs. Les fonds entre Brunval et Fécamp sont constitués de gros blocs, de gros rochers, des blocs calcaires. Donc généralement, ils sont assez creux dans l'ensemble. Donc ceux qui sont bien creux retiennent facilement le poisson. En repartant un peu sur le large, on arrive à trouver un bas de falaise assez important entre Étretat et Fécamp. Ce bas de falaise peut descendre par un moment de 5 à 10 mètres, donc des hauteurs assez intéressantes, où généralement on va chasser dessus soit l'agachon, soit l'indienne, où les barres vont être calées dans les failles qu'il peut avoir à droite à gauche, où justement en bas de ces bas de falaise, on a souvent de gros éboulis de blocs, et là encore, le poisson peut être retenu dedans. Chez nous, le courant est constant, hein, donc sur toute la côte, on a des endroits où le courant nous gêne vraiment dans l'évolution, ce qui veut dire qu'on choisira bien l'instant de mise à l'eau, hein, soit la pleine mer, ce qui n'est pas trop évident parce que la profondeur est peut-être plus importante, autrement la basse mer où on arrive facilement à descendre sur les 7-8 mètres avec un courant assez raisonnable.
Donc pour chasser ici, j'utilise un 83 Picasso en carbone. Donc 83 pour moi, c'est la taille idéale. C'est plus puissant que le 75, c'est aussi maniable. Parce qu'au niveau de la flèche, c'est celle d'un 75. Donc pour aborder les trous, au niveau encombrement, c'est exactement pareil. C'est un peu moins puissant que le 90, mais ça permet quand même des tirs assez lointains et assez précis. Chez nous, enfin en France, les 83, c'est pas trop souvent qu'on en trouve. Le moulinet, ici, est important. On pêche beaucoup à trous, le poisson s'en règle facilement. Le courant fait en sorte que on perd facilement la pierre dans laquelle on a tiré le poisson. Donc si vous n'avez pas de moulinet, laissez le fusil au fond avec, c'est un gros risque de perte de celui-ci. Hein. Donc depuis cette année, c'est pareil, j'ai changé un petit peu de fusil. Suite à mes visites sur les sites espagnols de chasse sous-marine, j'ai vu pas mal de vidéos où ils utilisaient ce fusil-là, hein, le Mamba. Le Mamba 90. Et sur ces vidéos, je suis aperçu que au niveau puissance, c'était assez extraordinaire. Et au niveau précision, j'ai été vraiment bluffé. Hein. Donc les premiers tirs avec ce fusil sont faits tout seuls. Hein. La prise en main est sensationnelle. Le bruit, je pense qu'il fait moins de bruit qu'un fusil avec des 102 mégatonnes. Ici, beaucoup de gens utilisent des mégatonnes pour pousser les tridents ou des choses comme ça. Moi, le bruit du mégatonne me gêne. Je pense que tout ce qui est autour, le poisson doit le ressentir. Le bruit de ce fusil, c'est un bruit sec. Hein. C'est un G et c'est tout. Hein. Donc, c'est précis, c'est léger. Au niveau maniabilité, c'est beaucoup moins grand que mon 83. Donc, encore quelque chose que j'ai gagné en achetant ce fusil-là. Il suffit de voir les deux modèles l'un côté de l'autre. On voit bien la grandeur. Hein. Et je pense que le pneumatique a une puissance équivalente à un 100. Donc c'est tout venu ça. Il faut quand même de la puissance pour pouvoir sécher le poisson. La flèche, c'est une flèche double ardillon. C'est une flèche Devoto. Hein. C'est quand même quelque chose de bien réputé. Le joint, la loring, c'est un joint torique banal. Hein. Donc bloque les ardillons pour pas qu'ils puissent se lever dans l'eau. Et une fois que le poisson traverse, une fois que la flèche traverse le poisson fait glisser l'oreille et l'ardillon se lève. Donc ici nous avons l'accroche-fil. Hein. Une fois que l'on tire sur la gâchette, ça décroche. Il faut faire en sorte que le fil ne soit pas trop tendu parce que ça peut durcir votre gâchette et vous gêner dans le tir. Donc ici nous avons la sécurité, hein. C'est très important. S'il y a un coéquipier dans l'eau face à vous, voilà, là c'est bloqué. Donc je l'ai équipé d'un moulinet, hein, un moulinet, on va dire, celui qui a la meilleure réputation, hein, très simple d'utilisation. Et j'ai aussi monté un amortisseur dessus. Malgré le moulinet, je monte quand même un amortisseur, ce qui me permet d'avoir une bonne impression du choc lors du tir. L'entretien, c'est comme un fusil normal, hein. Donc il suffit de bien le rincer. Donc à l'eau douce après chaque sortie. Et une fois par an, vous ouvrez, vous changez, vous faites une vidange parce qu'il y a de l'huile vu que c'est un fusil oléopneumatique. Et il faut vidanger l'huile qui est à l'intérieur. C'est très important, il faut le dégonfler pour l'entretien. Et quand on le regonfle, on le regonfle que pour une fois. On le gonfle à 20 bars et c'est 20 bars toute l'année. Hein. Donc pas la peine de regonfler après chaque tir ou après chaque sortie. Hein. Thank you.
plus gros bar que j'ai tiré dans la région, donc c'est 6,5 kg. Hein. Par contre, je les pèse vidés. Hein. Donc 6,5 kg vidés, je pense que ça doit être pour 6,8 kg, un truc comme ça, 6,9 kg. Et donc c'est principalement à trous, hein. Les gros pépères à trous. Mon plus gros à l'agachon, il faisait 5,5 kg. J'étais posé à l'agachon tout bêtement, je vois le bar passer, et il passe, il repasse, il me regarde, tout. Et bah, je lance le tir et il a été tué net. Il y a environ 2 ans, je descends faire un agachon, je pense qu'il est sur une profondeur d'environ 12-13 mètres. Et j'arrive directement sur un bar que je dirais sans problème atteignant les 4-5 kilos. Donc j'arrive directement dessus. Je me pose et le bar, j'attends une réaction de sa part. J'attends soit qu'il parte à droite, à gauche, et je savais pas ce qu'il allait faire. Et celui-ci, bah, il bouge pas, il vient vers moi directement. Alors, n'osant pas le tir de face, j'ai attendu toujours à l'agachon. Il est venu carrément devant moi et d'un seul coup, j'ai vu mon fusil bouger de du haut vers le bas. Il se grattait à ma flèche. Et j'ai tiré et ça lui a ripé sur la tête. Il est parti tranquillement, comme si de rien n'était. Il est venu se gratter à ma flèche. On a eu un petit peu de chance, on est juste sur la digue d'Antifer. La digue d'Antifer nous sauve souvent la mise en cas d'échec sur le beurre, ce qui était le cas aujourd'hui. Les grosses pierres entre Étretat et Fécamp et Bruneval et Étretat ont fait preuve de richesse au niveau du poisson. Donc on s'est replié sur la digue, on a eu une visibilité assez bonne et la chance d'avoir ce pépère dans un joli trou bien noir, assez profond. Alors généralement, il faut agachonner dans le trou. Il faut attendre, voir s'il y a des petits qui tournent, attendre un petit peu. Puis généralement, les petits gros arrivent à sortir, à faire montrer leur tête. Le Pays basque français en chasse sous-marine, pour un petit peu vous le définir, c'est un endroit très rocheux. C'est les premières roches en fait quand on descend du nord, arrivé des Landes, qu'on rencontre à Bayonne. Et le premier endroit très rocheux et de pêche en fait, c'est un endroit artificiel, vu que c'est la digue de la Dour. C'est le haut lieu du maigre au Pays basque. Chaque année, il se prend des gros maigres et on peut faire soit des sards en pleine eau, soit à trous selon les conditions. Il y a des chasseurs qui préfèrent attraper peu de poissons, mais à la rigueur attraper 3 ou 4 gros maigres dans la saison. Ils y vont dans des conditions d'eau sale, ils n'hésitent pas, avec des petits ragueurs, des fois des fusils de 60 cm, équipés de 100 d'eau surpuissants, et avec un moulinet énorme pour laisser partir la bête. Donc ils tirent des gros maigres au ragueur, jusqu'à 35 kg. Et même les pêcheurs à la canne en font beaucoup avec des chipirons vivants. Ils pêchent à soutenir depuis le bateau avec un plomb. Et certains même disent que le chipiron reste statique et au moment où les maigres vont arriver, ils le sentent partir parce qu'il est effrayé par l'approche de ces poissons. C'est assez particulier. Donc un petit peu plus au sud, on a un endroit très particulier en chasse sous-marine. Je pense que c'est l'endroit du Pays basque français le plus riche en sar, vu qu'il s'agit de Biarritz, mais qui a la particularité d'être soumis aux forts apports d'alluvions de la Dour. Le seul endroit qui est éclairci bien souvent par l'oxygénation de l'eau, ce sont le pourtour des roches.
Donc ça se pêche très 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 au bord. Et souvent, c'est vraiment l'archétype même de la chasse sous-marine au Pays Basque, c'est en remontant tout près du bord. Voilà. Après, un peu plus au sud, on a Bidart et Guétari. Ce sont des endroits, c'est des alternances de sable et de roches. Et là aussi, bon, c'est plus des agachons statiques sur les crêtes de roches. Il y a très peu de trous qui peuvent retenir le poisson. Mais malgré tout, il peut y avoir de nombreux poissons de passage. Après, on arrive quasiment sur une zone que de nombreux chasseurs connaissent bien au Pays Basque, c'est la zone des Romardies, qui pour nous, quand on la chasse, avec maintenant les technologies modernes, on utilise beaucoup le sondeur GPS cartographique. Et en fait, c'est un endroit qui a beaucoup de... Il y a beaucoup de sec et ça peut varier selon la saison. À l'heure actuelle, c'est un endroit qui donne bien sur le Louviat, à l'Agachon, sur les secs. Voilà. Bon, pour nous, en chasse sous-marine, tout ce qui fait moins d'un kilo, en règle générale, c'est un Louviat. Ensuite, on arrive plus près de chez moi, dans Dai. Donc, c'est la falaise des Viviers Basques. Et c'est un endroit, c'est pas le plus riche, mais c'est un endroit intéressant. C'est un endroit où il faut chasser beaucoup, je pense, en se déplaçant. Parce que la bande de roches est étroite, parce qu'il y a peu de relief profond. Et le fond descend en pente douce de manière assez monotone. Donc tout naturellement, comme c'est le cas chez nous, c'est la zone de marnage qui va être le plus riche. Donc il faut longer parallèlement à la côte et éventuellement en essayant de rechercher la profondeur la plus riche et la plus adéquate selon la marée. Et ensuite on arrive dans la zone où nous sommes, juste au côté entre la baie de Loya et la plage d'Andaï, la pointe Sainte-Anne. Pour moi, je pense que c'est le haut lieu de la chasse sous-marine pour quelqu'un qui voudrait débuter au Pays Basque ou même découvrir le Pays Basque à la palme, parce que c'est l'endroit où le fond descend le plus progressivement. Comme on le voit, cette remontée d'Hérétat est à quasiment 2000 et elle affleure, donc il y a très peu de profondeur même au large. À marée basse, on peut se contenter de faire des flaques à la recherche de poulpes, de rascasses, de vieilles et de sèches, ou on peut chasser le bar à l'Agachon dans les écueils, ou même plus profondément, puisque chaque année ici se prend des mérous. C'est un poisson assez exigeant, profond. On fait des gros bars en hiver, des dorades royales à l'Agachon. Il y a toute la panoplie que le chasseur sous-marin peut rencontrer au Pays Basque à découvrir. Il y a même eu un barracuda de prix, des liches et de plus en plus de dentis. Ici, de ce côté-là, il y a un sec un petit peu isolé où il y a des gros dentis qu'on peut croiser. J'en ai pris un il n'y a pas longtemps de 4,8 kg avec un ami. Les fonds ici, en fait, ils sont de toute nature parce que juste à côté de nous, à la baie Loya, le cœur de la baie, elle est relativement sablo-vaseux. Et ensuite, on a relativement du relief, bien que ce relief soit en règle générale d'une taille moindre que sur le versant espagnol. Donc les grosses structures et les gros blocs manquent relativement. Les grosses ragues qui peuvent retenir et abriter de manière conséquente des sars sont relativement rares sur la zone. Mais donc ça peut être aussi une chasse à trous dans peu d'eau avec des tout petits fusils, parce que ça peut être dans des petites grottes à lapins. Normalement, il faut tirer dans l'apnée parce que le poisson est très très glissant. Et en règle générale, sous la pression de pêche et sous la raréfaction du poisson, il réagit bien entendu, il se défend comme nous on le ferait. Et il a tendance de moins en moins à s'enraguer. Et de moins en moins à tenir quand il est enragué. Donc c'est un poisson qui, on va dire, passe un moment de sa journée à éventuellement digérer ou à attendre le bon moment pour se nourrir sous les blocs, mais de manière à circuler ou en circulation permanente. Concernant les techniques de chasse, comme en fait on a un endroit qui est rendu très riche par les marées et par le marnage, par l'apport en soleil qui nourrit toute la chaîne alimentaire et les micro-organismes que les poissons viendront rechercher à marée haute, c'est une chasse qui en général, pour le sar, le poisson commun chez nous, se pratique dans très peu d'eau, mais c'est une pêche de mouvement, du fait de la densité quand même relative des espèces rencontrées. Et du fait de leur mouvance permanente liée à l'apport des vagues continues. Donc c'est une chasse, c'est un rythme relativement rapide, des petites apnées et en fait des mouvements de palmage sans arrêt continu entre les apnées, dans l'idéal en fait. Et toujours à la recherche et à l'écoute du relief qu'on va rencontrer sous l'eau. C'est-à-dire que dès qu'on peut voir le fond, ou même si on ne le voit pas en essayant de se recaler par rapport à un alignement pris rapidement, trouver le relief éventuellement pour longer côté abrité de la vague, là où le poisson va se tenir plus volontiers.
Les grandes saisons de la chasse sous-marine, il y en a deux en fait qui s'opposent. Arrivé aux alentours du 15 juillet, la température de l'eau atteint un seuil qu'on va situer aux alentours des 20 degrés. Et il y a une floraison planctonique qui fait que l'eau devient beaucoup plus jaune et que comme on pêche dans peu d'eau, il y a une bande de marnage justement qui est étroite, le poisson se tient dans l'eau jaune. Donc il est difficile à voir, des fois on ne voit pas plus loin que notre main. Et au-delà de ça, le fait que cette eau est réchauffée, le poisson est plus maigre en été parce qu'il a pondu. Et il est beaucoup plus nerveux parce que c'est un animal à sang froid et donc le fait que l'eau lui réchauffe ses muscles, il est beaucoup plus capable d'accélérer et de s'échapper rapidement de nous. Et à partir d'octobre, l'eau va rafraîchir, elle va passer sous les 15 degrés. Et là, on va avoir les poissons neufs d'hiver qui vont rentrer chez nous. Donc le mulet noir qui n'est pas très recherché en chasse sous-marine. Et ensuite, on a les gros bars qui viennent frayer. Alors c'est les bars qui arrivent. Au début, ils arrivent derrière les dernières mêlettes de la saison. C'est les petits spécimens d'un kilo, un kilo et demi. On les différencie par rapport aux bars sédentaires. Ils sont plus foncés quand ils arrivent, ou même au printemps, il y a des bars qui sont plus foncés. Les pêcheurs locaux font la différence quand ils les pêchent à la traîne. Et ceux qu'on chasse en haut des secs, et ils ont une robe en général qui est plus claire. Et c'est les poissons de plus petite taille qui mangent dans le poisson fourrage. Mon père était déjà faisait de la pêche sous-marine, il a été 3 fois champion de France et champion du monde par équipe avec Hugues Dessau en 63. Donc bon, je suis tombé dedans un peu. Ici j'aime bien parce que chez moi déjà, bon, ça c'est un peu tout le monde, mais j'ai retrouvé les mêmes conditions de chasse au Baléares par exemple, en Sicile, en Sardaigne, en Espagne, c'est pas la Méditerranée. Hein. La Méditerranée un peu sud, comme ici, c'est les mêmes poissons, ils réagissent pareil, ils sont difficiles, c'est exigeant, c'est de plus en plus exigeant. Ici, le dentis, c'est le poisson roi, parce que bon, c'est pas mou. C'est le poisson le plus difficile à prendre en Méditerranée. Hein. Exceptionnellement, des fois, ils sont faciles, mais sans ça, c'est profond, les agachons profonds. C'est vraiment... c'est très difficile. Après, il y a la chasse plaisir, c'est la liche, parce que c'est facile. C'est gros, facile. Bon, et après, tout ce qui est plus physique, c'est la pêche à trous. Hein. C'est plus difficile qu'un agachon profond, c'est le plus difficile que tous les poissons blancs et compagnie profonde, c'est vraiment difficile. Si on est sur une remontée avec des gros dentils, le soir, il faut s'appliquer dans sa préparation, se ventiler calmement, amplement, insister sur l'expiration, vraiment bien se positionner, se placer par rapport au sec. Ensuite, on descend, on essaie de cacher un peu son arbalète pour une dentille, de la mettre le long du corps. On essaie ensuite de
de bien rentrer sa tête pour bien se profiler pour aller le plus vite possible au fond, tout en étant très souple, très fluide. Ensuite, il faut bien se placer au fond. Souvent, on connaît la pierre, on sait où ils sont, dans quel côté ils vont venir. Bien se cacher, prendre son temps et surtout être relâché mentalement. C'est-à-dire être pas... faut pas descendre avec les yeux d'un tueur et l'esprit d'un tueur, parce que moi, je suis persuadé que le poisson, il le sent, ça. Il faut être complètement détendu. Et le poisson, si on arrive à bien se cacher, bien être positionné par rapport à lui, il viendra. Si le type il est complètement tendu, crispé au fond, il verra peut-être même pas lui. Ça, c'est très important. Au fond, il faut le tirer comme il faut, essayer de le tirer comme il faut. Tout de suite débrayer son moulinet et monter. Hein. Essayer d'éviter qu'il aille se taper au fond, le denti si on l'a bien pris. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est essayer de frotter le fond pour s'enlever la flèche. Ou alors, il va frotter le fond, il va prendre un appui. Et s'il est mal tiré, la flèche va se décrocher. Et remonter tranquillement en surface. Tranquillement, souplement, sans avoir l'impression de s'économiser. Et ensuite récupérer son poisson depuis la surface. Voilà. Simple. Hein. On la trouve à toutes les profondeurs, mais ce qu'ils aiment, c'est se tenir à la limite de la thermocline. C'est-à-dire si l'eau le fait 24 degrés en surface et 20 au fond, par exemple, et si ce changement de température d'eau est sur 25 mètres, eh bien, ils seront sur 25 mètres, les dentis. Ils seront à la limite de cette thermocline, à la limite de changement de température d'eau. Par exemple, si la thermocline est à 35 mètres, ils seront à 35 mètres aussi. Hein. On a droit à une apnée. À la deuxième apnée, on ne joue plus, c'est fini, on ne les voit plus, ce sera trop difficile. Sauf exception après une grosse tempête, parce que vraiment, il y a vraiment des changements dans l'eau. Alors là, ils sont comme des fous, ils ont faim, ils se jettent sur tout, mais bon, c'est rare. Hein. Ça, on change de poste, on va sur notre poste et on essaie de faire la même chose. La première motivation des enfants quand ils viennent à l'école bleue ou dans quelque structure que ce soit, c'est d'une part de découvrir un milieu qu'ils ne connaissent pas et se sensibiliser à la rencontre de la faune et de la flore et surtout du respect de l'environnement. Chaque enfant qui goûte, que ce soit à la plongée bouteille ou à la plongée libre, de toute façon est convaincu que l'une et l'autre discipline sont magnifiques. Donc ça plaît à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent la plongée bouteille et d'autres la plongée libre. On a beaucoup plus de facilité à enseigner à un enfant de 8 ans la plongée bouteille que la plongée libre. Alors que ça semblerait être paradoxal. Ce qui est intéressant chez l'enfant tout petit, c'est qu'il n'a aucune crainte. Comme il a très peu de connaissances, il a un répertoire très, très petit, il n'a pas de crainte. Donc comme on n'a pas peur, comme on a toujours peur que de l'inconnu. Et là, il découvre tout, donc il va plonger, il n'y a aucune crainte. C'est ça qui est intéressant chez les tout petits. Chez un adulte, c'est beaucoup plus difficile. Il va falloir prendre 3-4 jours d'adaptation au milieu aquatique, que ce soit par le biais de la surface, ensuite sous l'eau, apprendre à respirer dans un tuba. Alors qu'un enfant qui a quelques craintes, en une journée, c'est réglé. Ça va très très vite. On est dans un schéma où l'apprentissage va très très vite. Ils ont une sorte d'apprentissage qui est très importante. Donc ça va très très vite. Si on a un sédentaire qui fait strictement jamais aucun sport, mais qui est très relâché, il sera capable d'accéder très vite à 2 minutes d'apnée. La même personne qui, elle, par contre, est assez stressée, beaucoup de travail, aura beaucoup de mal à faire 1 minute d'apnée. Et en même temps, une personne très entraînée dans un autre sport, mais qui fait un sport où la tension nerveuse est importante, va avoir des apnées entre 2 et 3 minutes dans les premières séances.
Et la même personne qui fait un travail aérobie, mais qui elle par contre a l'habitude de se relâcher, peut très vite accéder à 4 minutes d'apnée. Donc c'est très variable, on ne peut pas dire, c'est pas schématique. On a été très vite surpris, on a des pompiers qui viennent, qui sont surentraînés et qui ne sont capables que de ne faire 1 minute 30 d'apnée, alors qu'il y a des personnes qui font du squash ou de la boxe qui elles sont capables de tenir 4 minutes. Donc c'est vraiment une histoire de mental. Ce qui est important d'abord, c'est que les gens apprennent à se relâcher. Donc suivant le type de personne à qui tu vas avoir affaire, il est plus ou moins facile de commencer par ça. Ce qui est important, c'est le relâchement avant tout. Donc si c'est déjà gagné d'avance, si quelqu'un vient et est déjà très relâché, on va très vite accéder à la profondeur et à la ventilation. Quelqu'un qui n'est pas relâché, par contre, on va oublier l'accession au fond. Et ce qui est important, c'est de lui apprendre à se relâcher. Donc on va repartir par du snorkeling, de la randonnée aquatique, de la ventilation dans le tuba, du palmage en surface très très calme. Par contre, dès que ça s'est gagné, on attaque la plongée en profondeur, principalement le long d'un câble avec de l'immersion libre tête en haut ou de la descente à la palme aidée avec le câble pour tirer avec les bras dans peu de fond. Et ensuite, on quitte le câble. On retourne près des rochers sur des tombants où là, par contre, il n'y a aucun repère pour travailler la verticalité d'une part, ce qui est important. Souvent, on a des chasseurs sous-marins qui viennent pour progresser en profondeur. Ils sont des gens qui ont un très gros potentiel, par contre, ils ne savent pas descendre droit parce qu'ils plient énormément les genoux, parce qu'ils ont la tête complètement orientée vers le fond. Donc, c'est une histoire d'hydrodynamisme et de verticalité. Donc, on va surtout travailler l'aspect technique. Dès qu'on a acquis quelque chose sur peu de fond, on va le travailler le long de la corde avec 5-6 mètres de plus. Puis, on retourne près du bord de façon à jongler avec la linéarité le long d'un câble et ensuite rebondir dans un milieu naturel où il y a peu ou pas de repères. Donc ce qui est important, c'est de mettre en confiance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les repères de quelqu'un qui débute sont des repères terriens. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec la tête dans l'axe et on a les pieds posés sur le sol. Le repère est dur. Dès qu'on accède au milieu aquatique, on se retrouve dans un milieu qui est beaucoup plus dense que l'air. Mais par contre, on perd pied, on fonctionne dans trois dimensions. Quand on force à droite, eh ben, on s'enfonce à droite. Alors que sur Terre, quand on force à droite, ben on part à gauche. Donc il faut changer complètement le concept sensitif et kinesthésique des gens. Donc il faut leur faire prendre conscience des choses. Et c'est pour ça qu'on passe par des stages de 2-3 jours où on travaille principalement l'adaptation. C'est très long. Apprendre à palmer, c'est une chose, mais avant d'apprendre à palmer, il faut apprendre à flotter. Et ça, c'est très dur. La ventilation en surface, elle est, pour la pêche au-delà des 30 mètres, elle doit être beaucoup plus soignée, hein, beaucoup plus longue aussi. Alors moi, ce que je préconise depuis des années, c'est un début de ventilation, surtout en début de journée, quand on est un peu à froid, c'est insister sur l'expiration. Bien travailler son expiration, même faire travailler son diaphragme comme une pompe à vide, pour essayer de chasser tout l'air résiduel qu'on a au fond des poumons. Faire comme ça 7 ou 8 mouvements respiratoires en expirant à fond, et ensuite retrouver un rythme respiratoire ample et lent, normal. Et sur la fin de la préparation, c'est-à-dire au bout de 15 mouvements respiratoires à peu près, insister sur l'inspiration, elle doit être maximale, même si elle est inconfortable. Il faut avoir l'impression de partir gonflé à bloc, que ça tire de partout là. Surtout quand on n'a pas d'entraînement, ça tire énormément. Et dès qu'on arrive à 400 mètres, cette sensation d'hyperpression là, hein, à l'intérieur des poumons, elle disparaît, parce qu'avec l'effet de la pression, ça disparaît ça. La préparation avant une apnée, elle est très importante si tant est qu'on veut faire une apnée qui est bien réussie. Dans le monde de l'enseignement, par contre, on va justement essayer de faire en sorte de ne pas bien préparer son apnée pour accéder tout de suite au relâchement. Quelqu'un qui vient pour progresser, il pense qu'il va être là à apprendre à ventiler pendant des heures, apprendre à se relâcher en surface, à fermer les yeux, à visualiser sa descente. Alors que nous, notre mode d'enseignement, c'est « Ok, maintenant Eric, tu pars dans 5 secondes. 3, 2, 1, t'es parti. » Et là, tu pars. Tu inspires comme tu peux, tu fais ton canard. Et l'intérêt, c'est que tu te relâches pendant ta descente, ton accès au fond et ta remontée. C'est ça l'apnée. On n'a pas besoin de se ventiler pendant des heures. On pense qu'on emmagasine plus d'air si on hyperventile, ce qui est faux. On pense qu'on est plus relâché si on hyperventile et si on prend du temps, ce qui est faux. Il faut savoir que la phase de préparation et d'entraînement d'une apnée sur l'autre, elle est de 4 minutes. Si on va au-delà de 4 minutes, c'est-à-dire si on ventile pendant 8 minutes, même de façon relâchée, on hyperventile, donc c'est pas bon.
on baisse énormément sa PPCO2, donc on a des repères qui sont complètement faux. Et si par contre on ne vend pas assez le temps de récupérer, là on est en hypercapnie, ce qui n'est pas bon. Par contre, on n'a pas besoin de se ventiler pendant des heures et surtout de faire le vide avant de faire une apnée. En chasse sous-marine, les meilleurs chasseurs sous-marins, ceux qui gagnent et qui chassent profond, parce que là on parle d'apnée, donc ceux qui gagnent en chassant profond ne sont pas nécessairement ceux qui font une apnée toutes les 15 minutes. Ce sont ceux qui sont capables de récupérer très vite et de se relâcher. Donc ce sont des gens qui sont efficients pendant l'effort. Un boxeur, quand il fait de la boxe et qu'il fait des rounds de 3 minutes, il récupère pendant qu'il boxe. Il ne récupère pas quand il est dans le coin sur sa chaise. Là, il ventile. Par contre, quand il est en garde, il récupère quand il encaisse les coups. Il tape, il fait un effort, puis il récupère. Il tape et il récupère. Ben, c'est pareil pour un apnéiste. Un apnéiste, un chasseur sous-marin, c'est la même chose. Il va faire son canard et son travail de relâchement, il commence là. Un chasseur sous-marin ou un apnéiste qui descend très vite, ben, il n'est pas bon. Parce qu'il va aller très vite en bas, seulement il aura consommé énormément. Et comme il aura consommé beaucoup, il ne pourra pas rester longtemps en bas. Et en plus, il va remonter très très vite. Le problème, c'est que les personnes ont trouvé la solution, elles mettent plus de poids. Donc effectivement, elles ne font pas d'efforts à la descente. Par contre, elles font énormément d'efforts à la remontée, ce qui est très mauvais. Donc elles ont enfin trouvé la solution, elles utilisent des ceintures largables. Ce qui est bien, mais qui te désentraîne, parce que tu accèdes très vite en profondeur, mais avec un bagage qui n'est pas celui dont tu as besoin. Donc ça recule le problème. Tu vas rester longtemps à une profondeur que tu ne maîtrises pas totalement. Et quand il faudra remonter, tu risques de te retrouver dans une zone de difficulté. Une fois, j'ai déchaussé une palme au fond, en reculant un certain nombre. C'est très profond et la palme, j'ai senti que le talon de la palme se déchaussait, juste le talon. Là, il faut être calme. C'est là qu'il faut être calme et lucide, je t'en parlais. Mais je rechaussais ma palme, je suis monté. Très calmement. Pas si tu t'affoles, tu peux avoir un problème. Mais bon, j'ai pas eu l'impression de risquer ma vie là. Le seul moment où tu as l'impression d'aller de pêcher sur la limite de la limite, c'est en compétition profonde. Tu peux te faire 2-3 plongées limite dans la journée. Mais ça fait partie du jeu ça. La compétition, c'est que ça oblige à se focaliser pleinement, j'allais dire à 100%, à 200%, à 300% sur une zone. Et ça permet de vraiment comprendre lors du repérage comment fonctionne le poisson. Moi, la compétition sportive en chasse sous-marine m'a amené le plaisir de me confronter aux autres, de voir d'être meilleur. C'est un sentiment humain, on le partage, on aime ou on n'aime pas, je le conçois tout à fait. Après, ça a pour moi été une école très enrichissante parce que j'ai pris confiance en moi, j'allais dire, et puis j'ai fait des rencontres humaines qui sont hyper intéressantes, quoi. Chasseur sous-marin qui pratique tout seul dans son coin met des années à acquérir ce que d'autres en groupe vont acquérir en quelques jours ou quelques mois. Ça, c'est dans tous les sports pareil, quoi. Donc, ça, techniquement, c'est indéniable. On voit les autres, on observe. Pour peu qu'on ait une capacité d'observation et de retranscription bonne, on progresse énormément. Ce que moi, je préconise, et d'ailleurs ce que préconisent beaucoup d'instructeurs de plongée en apnée, c'est le travail. Le travail, ça passe par des longues séances où on récupère peu et où on travaille beaucoup, et surtout le travail technique. Les gens ne pensent que l'on ne progresse que lorsque l'on gagne des mètres en profondeur, ce qui est totalement faux. Si tu viens chez moi et tu me dis « voilà, je suis capable de descendre à 15 mètres, je reste 1 minute 30 et je voudrais être capable de descendre à 20 mètres », je te dis « d'abord, on va essayer de rester 2 minutes 30 à 15 mètres plutôt que d'essayer d'aller à 20 mètres ». Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es capable de le faire. Parce que ça fait 5 ans que tu plonges à 15 mètres et que tu restes 1 minute 30. Par contre, quand tu descends, tu as les genoux complètement pliés, tu regardes vers le bas, ton bras est tendu, on imagine que tu fais de la chasse sous-marine, et en fait, tu consommes énormément. En bas, tu n'es pas relâché, tu n'épouses pas la forme des rochers, et quand tu remontes, eh bien, effectivement, tu n'appuies pas sur les couches d'eau. L'eau, c'est un écoulement laminaire. Il faut que ta palme et ta jambe soient dans le même prolongement et qu'on appuie sur toutes les couches d'eau, comme une portée de musique, mais à l'envers. Les gens cassent cet appui. Ils palment et quand ça devient dur, au lieu de continuer à forcer, ils effacent en pliant le genou. Donc en fait, non seulement tu ne fais plus d'efforts, mais en plus, c'est un frein à l'hydrodynamisme. Donc tu mets pratiquement 10 secondes de plus à remonter en faisant plus d'efforts. Donc nous, on va travailler là-dessus. Une fois que c'est fait, on va commencer à progresser petit à petit en profondeur. Thank you.
chasse sous-marine, pour moi, c'est un moyen de m'entraîner pour faire de l'apnée. Par contre, le chasseur sous-marin, il fait de l'apnée pour s'entraîner à aller attraper des poissons. Donc l'objectif n'étant pas le même, le chasseur sous-marin va mettre l'aspect technique plutôt dans les périodes où il s'entraîne en piscine ou en fosse. Mais c'est faussé parce qu'il n'y a pas de courant, parce que c'est de l'eau douce, parce qu'il travaille à l'horizontale. Donc c'est important à un moment de dire « Ok, on part une semaine en stage, très bien. Eh bien, on s'octroie une demi-heure, 45 minutes chaque jour de pêche à la technique. On est sans fusil, on se corrige les uns les autres. On se fait la sécu et on apprend à intervenir sur un incident qui pourrait survenir en surface. Une samba, une syncope, on apprend à les reconnaître. » Il m'est arrivé en 1999 avec mon équipier de l'époque, Marty Correna, lors de la dernière manche de la Coupe de France à Antibes, de faire une syncope. J'ai atteint la surface, je lui ai dit que tout était OK avec un poisson au fusil. Et il a compris de suite quand il m'a vu lâcher le fusil et le poisson. Et il est arrivé sur moi. Donc le temps qu'il arrive sur moi, l'eau était claire, il était à 10 mètres et j'étais déjà sur le dos en convulsion épileptique. Et lors de la navigation qui me rapprochait du médecin, c'est là que je me suis réveillé. Et je suis rentré chez moi, et je savais que le plus important pour moi, c'était de ne pas avoir d'eau dans les poumons. Et quelques jours après, une grosse infection s'est déclarée, parce qu'en fait, j'avais pas mal d'eau dans les poumons. Et donc, j'ai dû arrêter de chasser pendant minimum 6 mois, avec un gros traitement antibiotique pour stopper l'infection. Alors, il y a des signes avant-coureurs, on va dire, hein, de la samba et de la syncope. Bon, déjà, il y a l'état de fraîcheur ou de fatigue générale. Quelqu'un qui est fatigué forcément et qui en plus chasse depuis un moment, si vous êtes en stage, que vous êtes parti pendant une semaine en vacances et que vous faites ça tous les jours, on sait plus ou moins quel état de forme ou quel état de fatigue dans lequel on se trouve. Donc ça c'est important, il faut en prendre considération. Ensuite, forcément l'état de fatigue parce qu'on est sorti ou pas, parce qu'on est bien reposé. Par contre quand on plonge, on sait plus ou moins le temps que passe notre partenaire sous l'eau. On sait que c'est quelqu'un qui descend à 15 mètres et qui reste entre une 20 et une 40. Si à une 40, il n'est toujours pas remonté, c'est que ça fait un moment qu'il est en bas, qu'il devrait déjà être en surface. Donc, soit qu'il est très en forme aujourd'hui, mais il faut être super vigilant. Ça, c'est important. Et ensuite, il y a toute la partie retour en surface qui est très, très importante. Quelqu'un qui remonte en surface, normalement, il doit remonter son tuba dans la bouche, bien droit, en palmant de façon continue, sans lâcher aucune bulle, en évitant trop de regarder la surface, en tenant son arbalète dans la main, et une fois qu'il accède à la surface, il s'allonge, il souffle, il ventile 2-3 fois avant de dire « ok, tout va bien » ou de sortir la tête de l'eau. Si la personne ne fait pas ça, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, la personne remonte et lâche son arbalète. Quand on lâche son arbalète alors qu'on est en train de la tenir, ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans son état de conscience normal. C'est que peut-être on dort. Ça, c'est un réflexe. Si on la lâche, c'est que c'est pas bon. Lâcher de bulles. Une personne qui remonte, qui a enlevé son tuba, qui lâche des bulles en remontant, soit elle revient de 10 secondes d'apnée parce qu'elle est allée voir s'il y avait un poulpe dans un trou, bon, ça, on s'en fout. Par contre, si elle remonte d'une grosse apnée qu'elle lâche des bulles, c'est que vraisemblablement, elle est déjà en phase expiratoire, c'est-à-dire qu'elle a passé le cap de la samba, qu'elle a fait une syncope, qu'elle souffle. Et donc, quand elle va arriver en surface, ben, il va falloir la ranimer. Autre chose, quelqu'un qui remonte en regardant la surface de façon affolée, il force, donc il est en manque d'air, donc forcément, il va s'en coller une en surface. Donc, ce qui est très, très important, c'est de bien regarder quand la personne revient. Le chasseur, déjà, d'une part, est beaucoup plus sujet à la samba et à la syncope que l'apnéiste. Parce que l'apnéiste, lui, son seul souci, c'est l'apnéiste en profondeur, descendre, aller chercher quelque chose et le remonter. Le chasseur, lui, par contre, il doit descendre, trouver la zone où est-ce qu'il a envie d'évoluer, rester longtemps et ensuite remonter. Pour peu qu'il ait tiré un poisson, il faut le contrer, remonter avec. Enfin bon, c'est un souci permanent. Donc, il y a beaucoup plus de cas de syncope et de samba chez le chasseur sous-marin que chez l'apnéiste. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant chez ces personnes. L'idéal serait de chasser à deux avec un fusil. Pourquoi ? Parce que toi, quand tu descends, moi, je suis en surface et j'attends. J'attends que tu me ramènes le fusil. Donc, je peux rien faire d'autre. Donc, il peut me passer toutes les liches du monde dans les palmes, je les regarde passer. Forcément, si on va pêcher, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On a envie d'attraper du poisson. Mais en termes de sécurité, c'est intéressant. Tu descends avec le fusil, je suis en surface. Tu remontes, je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre que tu me retendes le fusil. Donc, en fait, tout ce temps que je vais l'utiliser à faire ta sécurité. Tu remontes, tu te mets à plat, tu ventiles, je viens vers toi, je vérifie que tout va bien, tu me tends le fusil, à moi de descendre et vice-versa.
Là déjà, on a résolu 80% des problèmes. Il y a deux choses qui font qu'effectivement chasser très profond procure des sensations qui sont un peu spéciales. Déjà d'une part, c'est parce que là où tu vas, il y a très peu de gens qui y vont, que ce soit en apnée ou même en bouteille. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas rencontrer des espèces que tu rencontres pas généralement au bord, des gros pagres, des grosses badèches, des très gros poissons, et en plus des poissons qui sont très curieux, qui sont surpris de te voir. Donc qui, en même temps, on va dire, deviennent presque plus faciles à pêcher. Un gros pagre de 9-10 kg à 50 mètres, 52 mètres, il n'a vraiment pas l'habitude de rencontrer des gens. La chasse sous-marine est le mode de prédation sous-marin qui est le plus sélectif et qui laisse le moins de traces dans l'environnement. On a la possibilité de sélectionner nos prises. Donc à ce titre-là, je pense que peut vraiment revendiquer une dimension écologique pleinement qui peut s'inscrire dans une prise de la protection de l'environnement. Voilà. Maintenant, la chasse sous-marine souffre d'un défaut d'image par rapport au grand public, et le chantier des années à venir est de faire connaître la chasse sous-marine, de la faire accepter et de montrer en elle toutes les facettes d'un sport noble où prédation peut très bien rimer avec protection. On peut très bien aimer la nature, la protéger et pour autant aller chercher un poisson pour le manger ou extraire un poisson du milieu sans pour autant mettre à mal l'écosystème.